Religieuse, pas vraiment catholique, la douce empoisonneuse qui peaufine ses techniques. On ne tient plus des comptes des amoureux entre ses doigts. Un sourire de Joconde, une petite robe à pois. J'ai du bas du fleuve, j'ai des cabanons. Et puis j'ai grandi là-bas et je suis partie faire mes études parce que je n'avais pas vraiment dans l'idée d'être musicienne. J'ai toujours été une amoureuse de la musique, mais de là à rêver, me permettre de rêver d'en faire un métier, ça, pour moi, c'était pas possible, tu sais. Donc, je suis partie étudier au cégep de Rimouski. Puis bon, mais c'est sûr que à travers tout ce cheminement scolaire-là, c'est sûr que la musique était très présente aussi. Donc, j'ai fait des concours secondaires en spectacle, cégep en spectacle, jusqu'à université en spectacle aussi, que j'ai remporté souvent et puis ça m'a donné un peu confiance pour continuer à ce niveau-là. Et de fil en aiguille, ben finalement j'ai travaillé pour faire un premier album. C'est l'histoire d'une fille qui est très 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 en retard au mariage de son meilleur ami. Alors elle part de chez elle en courant, elle signe la carte de souhait sur le bord du comptoir et elle part. Et puis elle arrive à l'église, elle ouvre la porte et puis la seule chose qu'on entend c'est les clac-clac de ses talons hauts qui lui font tellement mal aux pieds. Alors, la cérémonie est déjà commencée. Elle va s'installer troisième rangée. Et puis, elle regarde à l'avant. Puis, elle se dit que finalement, elle aurait vraiment aimé être à la place de la mariée. Ça s'appelle les froufrous blancs. Mes chansons, c'est un peu comme des films parce que j'écris avec des images. C'est vraiment comme des dessins. On voit vraiment les images lorsque je chante. Je crée des personnages, des histoires. Je raconte mes chansons. En spectacle, c'est vraiment ça. Je prends le temps de raconter, de jaser, de retrouver ce côté-là intimiste des cafés, en fait, mon école de la musique, finalement, tu sais. Pendant les calendes, pas chères, belles. Je suis accompagnée de musiciennes qui sont multi-instrumentistes, donc quatuor à cordes, violoncelle, tout ça, qui est des amis. Donc on est toutes des filles sur scène et puis on essaie de recréer cette espèce d'univers-là coloré, en fait c'est simple, c'est épuré, c'est piano-voix avec un peu d'instruments autour, surtout avec des textes, des histoires. L'Ave Maria, les froufrous blancs, j'avoue j'ai souhaité en cachette. Que la belle en déambulant se prenne les pieds dans la moquette. J'ai l'impression peut-être que mes histoires vont rejoindre certaines personnes ou pour certaines choses aussi, tu sais. Les enfants trouvent bien le côté plus humoristique parce que, bon, j'écris avec un sourire en col toujours, tu sais. Puis il y a ce côté un peu plus mélancolique peut-être, quand je parle de la chanson « Ficelle » que j'écris pour ma grand-mère qui a la maladie d'Alzheimer, ben ça va chercher une autre branche des gens peut-être. Donc c'est très différent comme public. La couleur de mes yeux, les paroles des chansons, celles qu'on chantait à deux. Je m'étais jamais permis d'en rêver, que finalement voir que peut-être c'est possible d'accéder à ce rêve-là. On dirait que je ne le réalise pas encore, tu sais, mais je m'amuse beaucoup, j'adore faire ça.